la prise en otage des démarches entrepreneuriales par une fausse logique de développement. Et il y a la elle va être développée par Bandung, Ayangma, Martin Luther King. La troisième communication, la communication 69, le titre c'est l'Union européenne et la gestion des crises humanitaires, mythe ou réalité. Le cas de l'aide humanitaire de l'Union européenne au Mali 2012-2022. Elle va être développée par Ouattara Bouakhari. La quatrième, la 70, c'est Action anthropique et politique de conservation au Nord Cameroun de 1990 à 2020. Le cas du parc national de la Bénoué. Et elle va être présentée par Aristide Garga Fils. La communication 71, c'est les crises alimentaires liées à l'insécurité et aux personnes déplacées internes au Burkina Faso de 2015 à 2020. Et elle va être développée par Dolly Chiebou Mathias. Et la dernière, le titre, c'est la communication 72. Le titre, c'est Priorisation de la filière riz, une meilleure alternative garantissant la sécurité alimentaire à Madagascar. Et elle sera présentée par notre collègue Radi Milahi Manama Assidi. Voilà, nous allons rapidement commencer avec la première communication. Je ne sais pas qui va la présenter, c'est peut-être Ndei Awa Dia, c'est le premier nom que je vois. Le titre, je le rappelle encore une fois, c'est Perception du changement climatique chez les agro-pasteurs du département de Bambey. Chers collègues, si vous êtes présents, vous avez la parole. Servir le capital ou se servir du capital. La prise en otage des démarches entrepreneuriales par une fausse logique de développement. Bandung et Ayangma, Martin Luther King. Oui, bonjour, bonjour et merci pour cette initiative que vous mettez en place pour nous permettre de partager les travaux que nous avons pu faire. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec le PowerPoint que je vous ai envoyé afin que nous puissions évoluer ensemble. Chers collègues, vous pouvez partager vos points. Nous n'avons pas su. Oui, je Allô? Prochaine. Attendez. Monsieur, vous êtes connecté sur deux appareils. Veuillez déconnecter l'appareil parce que nous avons l'écho. Nous sommes en streaming. M'entendez bien? Monsieur, veuillez déconnecter, Monsieur Ouattara, veuillez Oui, vous c'est Monsieur déconnecter d'un Ouattara. appareil. Veuillez vous déconnecter d'un appareil. Vous êtes connecté sur deux appareils à la fois. Non, c'est un seul appareil. Ok, maintenant c'est bon. Parce qu'on avait l'écho là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bakary Ouattara, je suis doctorant en histoire des relations internationales. Ma communication porte sur de l'Union européenne au Mali, mythe ou réalité. Je voudrais souligner que le titre de la communication a été légèrement modifié parce qu'après l'ouverture du consensus européen et sur l'aide humanitaire, j'ai compris que l'Union européenne, mythe humanitaire. Raison pour laquelle le titre définitif que vous avez été envoyé a été légèrement modifié. Donc, le plan de la présentation se présente comme suit, une introduction qui comprend le contexte problématique, asiatique et méthodologie. Ensuite, et enfin la conclusion. Au niveau de l'introduction, en ce qui concerne le contexte, il faut souligner que depuis 2012, le Mali connaît une crise multidimensionnelle et touchée par l'insurrection des rebelles au nord, qui a été suivie du renversement du régime du président Malick Mani Touré. Et ensuite, il y a des groupes djihadistes qui ont envahi les régions nord du pays. Et depuis lors, la crise sécuritaire du pays n'a cessé, la situation sécuritaire du pays, pardon, n'a cessé de se détériorer.
qui s'est étendue des régions du nord vers le centre et le sud du pays, ce qui provoque une crise humanitaire précise. Et à la suite de cette crise, la communauté internationale a apporté son aide au Mali, et particulièrement l'Union européenne qui est intervenue non seulement au plan militaire, mais aussi qui a apporté une aide humanitaire au Mali, à l'endroit des personnes vulnérables, notamment les déplacés et les... Ce qui concerne la problématique, depuis l'éclatement de la crise en 2012, l'assistance au Mali se poursuit. Paradoxalement, la crise humanitaire s'accentue, même si cela peut être expliqué d'une part par l'enlisement de la crise sécuritaire. Ce constat provoque des interrogations suivantes. Comment expliquer l'aggravation de la crise humanitaire malgré la poursuite de l'assistance humanitaire? Quel est donc l'impact de l'assistance humanitaire ou encore de l'aide humanitaire venue au Mali? Alors, en termes d'objectifs, l'objectif général de la présente étude est d'analyser l'impact de l'aide humanitaire de l'UE au Mali. Les objectifs secondaires sont les suivants: examiner l'évolution de la crise humanitaire et ensuite mettre en évidence l'évolution de l'aide humanitaire de l'UE et ses effets sur les populations bénéficiaires. En termes de méthodologie, cette étude a été réalisée grâce à des sources écrites et orales. Les sources écrites ont été collectées sur celles de l'Union européenne des Nations unies, et qui sont des institutions qui produisent énormément de documents sur l'aide humanitaire, contrairement au gouvernement du Mali. Il s'agit surtout des communautés et des rapports de l'ONU, de l'UE, mais aussi des ONG qui interviennent dans le cadre de l'aide humanitaire. En ce qui concerne les sources orales, elles ont été collectées à travers des enquêtes qualitatives menées dans certains camps de déplacés dans la périphérie de Bamako, notamment à Niamana et Faladé. En termes de résultats, les études ont révélé que il y a eu trois phases de l'évolution de la crise humanitaire au Mali, de 2012 à 2014, de 2015 à 2020 et de 2021 à 2022. Et cette évolution de la crise humanitaire est fonction aussi de l'évolution de l'état civil. Par exemple, à partir de 2014, la crise s'est étendue des régions du nord vers le centre et le sud, et cela a provoqué une aggravation de la crise humanitaire. On a assisté à une augmentation de la violence, de la fréquence de la violence, qui va donc provoquer une grave crise humanitaire en 2015. En 2021, on constate également un changement de stratégie du mode populatoire des groupes djihadistes qui vont s'attaquer aux axes de communication, aux ponts, etc., qui vont s'attaquer violemment à des personnes civiles, et ce qui aggrave la crise humanitaire. En ce qui concerne l'évolution de l'aide d'urgence humanitaire de l'UE, de 2012 jusqu'à 2015, l'Union européenne a octroyé en moyenne 45 millions d'euros au Mali en guise d'aide humanitaire. Et à partir de 2016, on a constaté une baisse de ce montant-là. Cela s'explique par le fait que en 2015, l'UE a mis en place un nouveau mécanisme de financement parce que l'UE était confronté à une crise migratoire depuis 2014-2015. Donc, en 2015, elle a mis en place ce qu'on appelle le fonds fiduciaire d'urgence de gérer la crise migratoire. Donc, c'est ce qui explique la baisse des montants accordés à l'aide humanitaire à partir de 2016, parce que les projets de l'UE seront beaucoup plus concentrés sur la gestion de la crise migratoire que sur les programmes d'aide humanitaire. En ce qui concerne l'impact de l'assistance humanitaire de l'UE, les études ont révélé que l'aide humanitaire du pays est inefficace au regard de l'importance des besoins humanitaires du pays. Par exemple, en 2020, il fallait 474 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires au Mali. Seulement 212,1 millions
un total obtenu, soit 45,1%. Et dans ces montants obtenus, la part des milieux ne représentait que 1% et seulement 5,95% de financement nécessaire. La part des milieux dans les financements obtenus est un peu élevée, qui est de 12,30%. Mais quand on regarde les financements nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires, elle ne représente que 5,81%. En 2022, c'est pratiquement la même chose. Il fallait 686 millions de dollars et les financements obtenus sont de 192,2 millions, soit 28%. Et la part des milieux dans les financements obtenus représentait 19,9%. Et sa part dans les financements nécessaires ne représentait que 5,34%. Donc, ces chiffres sont minimes, impacté significativement la situation humanitaire au Mali. Ensuite, les études ont également révélé que l'aide humanitaire a un faible impact égal à ses effets sur le terrain de son système d'acheminement. Par exemple, sur le plan humanitaire, l'aide alimentaire, sur le plan alimentaire, pardon, l'aide alimentaire lui permet de bénéficier pendant un large de temps. Et après, ils sont livrés à eux-mêmes. Quand on regarde les propos de l'un des sites du chef de l'Assemblée du Paladien, quand l'aide arrive, l'impact est là pendant quelques mois. Mais après ça, tu n'as rien. Les jeunes n'ont rien. Si on donne 10 sacs de riz à 600 personnes, est-ce que c'est suffisant? En termes d'approvisionnement en eau potable, certains déplacés en manquent et sont obligés d'acheter des bidons d'eau pour couvrir leurs besoins humanitaires. Il faut signaler aussi que la scolarisation des enfants déplacés du fait d'une des dépenses de vie et d'être de l'Union européenne au Mali. Par exemple, dans le camp de Paladien, il y a plus de 400 enfants qui ont l'âge de partir à l'école, mais qui sont là et qui ne sont pas scolarisés. Monsieur Ouattara, il vous reste une minute. Et sur le plan sanitaire, les actions quand même sont appréciées par les bénéficiaires. En ce qui concerne le logement, il faut signaler que les déplacés sont dans des hangars anti-jet. L'accès, les problèmes à l'accès humanitaire aussi, en matière de la faiblesse des aides humanitaires des lieux au Mali. En termes de conclusion, il faut retenir que l'évolution de la crise humanitaire et des aides humanitaires des lieux sont contradictoires. En effet, de 2012 à 2020, on constate une aggravation de la crise humanitaire au Mali due à la dégradation de la situation sécuritaire des lieux. Chaque regain de violence constitue une source d'aggravation de la situation humanitaire. Par contre, la crise humanitaire de lieu, elle a connu une baisse de 2015 à 2022. Cela a eu donc des conséquences sur l'impact de cette aide sur la vie des bénéficiaires. Car l'aide humanitaire de lieu est minime au regard des besoins humanitaires généraux du pays, mais aussi au regard à son effet sur la vie des bénéficiaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Allô? Oui, allô? Merci, merci beaucoup, cher collègue, monsieur Ouattara Bouakhari, pour votre exposé relatif à l'Union européenne et la gestion des crises humanitaires, un cas de figure, le cas du Mali. La question est très importante, effectivement, avec tout ce que nous connaissons dans la zone sahélienne. Et votre exposé a été bien mené. Vous avez respecté le temps. Donc bravo pour la concision de votre exposé et la manière dont vous l'avez mené. Est-ce qu'on peut revenir à Monsieur Bandang Ayama Martin Luther King? Vous avez réglé votre problème de PowerPoint? Alimentaire liée à l'insécurité et aux personnes déplacées internes au Burkina Faso de 2015 à 2020. Vous avez une dizaine de minutes et voilà, nous avons le plaisir de vous donner la parole. Excusez, est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Allô? Oui, tout ça, vous voyez oui, mon écran? Votre écran est visible. Ok, merci.
Bonjour à tous et bonjour pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir vous partager une partie des fruits de mes recherches sur les crises alimentaires liées à l'insécurité alimentaire, sur les crises liées à l'insécurité alimentaire aux personnes déplacées internes PDI au Burkina Faso de 2015 à 2020. Le plan de la communication va s'articuler autour des points suivants: introduction, problématique de recherche et méthodologie, les résultats de la recherche et enfin la conclusion. Il faut dire que il y a 1 114 993 PDI au Burkina Faso à la date du 31 décembre 2020. Selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, les déplacements sont localisés dans 13 régions, 34 provinces et 89 communes du pays. En main seulement, 6 régions, 12 provinces et 46 communes étaient concernées. Ce nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne fait que croître. Les causes de ces déplacements sont principalement liées à la recherche de sécurité, ce qui contraste avec les efforts du gouvernement du Burkina Faso qui s'est engagé à mettre en œuvre les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la réduction de l'extrême pauvreté, notamment en son volet sécurité alimentaire et nutritionnelle, et les objectifs de développement durable, notamment l'ODD-2, qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, ainsi que la politique agricole de la CEDEAO sur la sécurité alimentaire, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors, la problématique de la recherche s'articule autour de la question principale qui est: quel est l'état alimentaire des PDI au Burkina Faso depuis le début des attaques terroristes en 2015? L'objectif principal de cette étude est d'appréhender l'état des crises alimentaires liées aux PDI et le mode de gestion de ces crises. La méthodologie est l'approche historique qualitative basée sur le recueil et le traitement d'informations orales et écrites à l'atteinte de la sécurité alimentaire des PDI au Burkina Faso, dont les résultats vont s'articuler autour de trois points: les causes du déplacement des populations communément appelées PDI, la situation alimentaire des PDI et les actions actionnées pour leur prise en charge. Alors, il convient de faire un bref historique de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Il faut dire que tout est parti un 23 août 2015, où un gendarme burkinabé mortellement blessé dans une attaque menée contre le poste d'Oursi au Sahel par trois hommes armés. Ce fut là la première attaque. Le 9 octobre 2015, trois gendarmes, un civil et un assaillant, lors d'un affrontement à Samoroban, à l'ouest du pays, également ont trouvé la mort. La deuxième attaque, la première attaque au niveau de la capitale, est survenu le 15 janvier 2015 avec un bilan de 30 décès, et l'attaque a visé un hôtel de la place et un restaurant prisé de la fréquentation des Occidentaux. Le 14 août 2017, un nouvel attentat à Ouagadougou dans un café-resto, bilan 18 décès. 18 mars, l'état-major général des armées et l'ambassade de France seront attaqués, bilan 8 assaillants tués et 8 soldats tombés. Fin 2018, début 2019, ce sera une crise un peu généralisée dans toutes les régions du pays. Alors, elle sera la forte cause de déplacement des populations communément appelées PDI. Et il faut dire que ces causes sont structurées suivant les causes conjoncturelles et les causes structurelles. Au niveau des causes conjoncturelles, c'est ce que je venais de dire précédemment, c'est surtout le conflit qui va occasionner un départ massif des populations. Ensuite, comme je viens de le dire également, c'est fin 2018, début 2019, que nous allons aussi connaître la pandémie de COVID-19, ce qui va réduire surtout l'assistance des personnes vulnérables, et ça va causer également un départ massif des populations à la recherche des zones. Mais il y a également le manque d'eau, parce que vous savez, le Burkina Faso est un pays enclavé avec une pluviométrie très réduite, et avec cette crise, on aura une assistance également un peu limitée au niveau de l'assistance en eau, et ça va être également une cause conjoncturelle. Au niveau des causes structurelles, il faut dire que la crise alimentaire chronique ou structurelle est celle dont la cause principale est la très faible
capacité de réponse des ménages en raison des conditions d'extrême. Pays enclavé, comme je venais de le dire, pluviométrie faible, zone, il y a des zones à risque et avec la crise, ça va exacerber encore ces crises-là. Il y a le niveau faible, le faible niveau de précarisation des moyens de subsistance des populations rurales qui débouche sur une pauvreté structurelle et la persistance d'arbitrage politique, économique et sociaux qui reste défavorable à la sécurisation alimentaire durable des pays et des régions vulnérables. Alors, la situation alimentaire des PDI, je pense que avec les réseaux sociaux, c'est les images qui circulent partout dans le monde. On a une évaluation rapide qui révèle que la majorité des ménages déplacés s'approvisionnent principalement sur le marché à travers le bradage de leurs animaux ou ceux qui en ont pu emporter, alors que certains dépendent de la solidarité des communautés d'accueil. Il y a également le manque d'eau potable et certains n'ont pas une chance d'avoir accès à un repas par jour ou ceux qui ont la chance n'ont accès qu'à un seul repas. Il y a également des déplacés internes qui manquent d'abri. Donc, j'ai un peu quelques images ici qui montrent un peu la situation alimentaire des PDI. Ici, c'est au niveau d'un camp de réfugiés, bon, pour ne pas dire un camp de déplacés internes, où on a priorisé un peu les enfants qui ont fait un rang afin de pouvoir bénéficier du partage de nourriture. Ici, on a un peu la carte qui dépeint la situation alimentaire du pays. Et comme je le disais, c'est le Sahel qui est un peu touché, ensuite le nord, le centre-nord. Et au fur et à mesure, vous allez remarquer qu'on avance vers la capitale Ouagadougou, qui est le centre. Vous voyez comment c'est peint. Le jaune, ce sont les zones faiblement touchées, mais le rouge et l'orange sont les zones qui sont fortement touchées par l'insécurité. Et par là, on parle également de crise alimentaire. Donc, quelques images des PDI. Ici, c'est dans la région du centre-nord où il y a eu une première pluie. Et vous voyez un peu à quoi font face les PDI de ces sites. Alors, les actions actionnées. Il faut dire que les besoins prioritaires selon les PDI et les autorités locales par ordre de priorité sont l'assistance alimentaire et nutritionnelle, l'assistance en cash pour le logement, les articles ménagers essentiels, la santé et la reconstruction des moyens d'existence. Il y a également une structuration nationale de secours d'urgence pour prendre en charge les personnes vulnérables et les personnes qui sont victimes des catastrophes naturelles. Donc, on a le Conseil national de secours d'urgence qui est structuré en quatre. Donc, le Conseil national de secours d'urgence est l'instance nationale. Ensuite, on a le Conseil régional de secours d'urgence qui s'occupe du côté régional. Conseil provincial du secours d'urgence qui opère au niveau provincial et enfin le conseil départemental de secours d'urgence qui opère au niveau départemental. Donc, on a une structuration nationale qui permet l'enregistrement et la prise en charge directe en fonction de la structure et des personnes déplacées internes. On a la dotation des SPS en intrants nutritionnels pour la prise en charge de la malnutrition aiguë, modérée. Des enfants de 6 à 9 mois, ainsi que les femmes enceintes et les femmes allaitantes. L'accélération électronique et le profilage des PDI par le CONASU afin de disposer des données statistiques. Août 2022, on a eu un lancement officiel de l'opération de distribution gratuite des vivres et des cash transferts au profit des populations vulnérables et des personnes déplacées internes des 45 provinces du Burkina Faso. À cela s'ajoute l'intervention des ONG, des organisations régionales et sous-régionales et qui interviennent surtout au niveau des violences basées sur les genres, de la sécurité alimentaire, des secours d'urgence et le partage des cash money. Donc ici, vous avez un peu, une illustration d'un don de l'organisation sous-régionale qui est la CDAO le 29 avril 2022. Donc,
En guise de conclusion, nous pouvons dire pays autrefois paisible, Burkina Faso est de nos jours un pays en proie aux violences terroristes, lesquelles violences ont exacerbé l'insécurité avec tous ses corollaires, la faim, le banditisme, ainsi de suite. C'est pourquoi l'État, en collaboration avec des partenaires, ont mis en place des politiques de sécurité et singulièrement celles alimentaires. Je vous remercie. PhD en histoire. Est-ce que le docteur est connecté? OK. Le docteur n'est pas là. Nous passons la parole à monsieur Radimilai Manana afin qu'il nous présente sa communication sur la priorisation de la filière riz. Une meilleure alternative garantissant la sécurité alimentaire à Madagascar. Il est doctorant à l'Université de Douala-Massina. Est-ce qu'il est en ligne? Le docteur Radimilari. C'est problématique là. Vraiment, comme l'autre le disait tout à l'heure, il est temps aussi que nous donnons notre contribution. Donc, en plus de la recherche, je suis humanitaire et le mois, c'est aussi même, nous avons un colloque, comment on appelle, un atelier dans le cadre du terrorisme international ici en Côte d'Ivoire où nous allons faire venir les religieux du Burkina et du Mali. Donc, vraiment, c'est une réalité préoccupante actuellement. Je voulais d'abord demander au premier la thématique de mythe ou réalité. Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà, puisque la réponse reste mitigée en parlant de l'aide humanitaire, mais pour réalité. Voilà. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'on pourra se partager bon, éventuellement en tant que membre du comité d'organisation les coordonnées. Et s'il y a l'occasion, on doit faire venir les religieux de Mali et du Burkina ici, fin de ce mois, pour des partages d'expérience dans la gestion des crises. Puis en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la dynamique de la prévention actuellement du terrorisme à la frontière de la Côte d'Ivoire ici. Donc, c'est un atelier de la région internationale qui est financé par l'USAID et les organisations internationales. Et dans le cadre de la collaboration, si je l'ai coordonné, je pourrais voir comment les mettre en contact avec ces religieux qui doivent effectuer le déplacement, pour apporter aussi une touche un peu scientifique à ces partages-là. Donc, pour ma part, en lien avec la préoccupation précédente, ça pourra aider aussi ma collaboration ou bien mon appui avec les chercheurs qui viennent de faire ces présentations. Ils sont vraiment en lien avec la problématique sur laquelle nous travaillons en tant qu'humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire présentement, en termes de prévention et de lutte contre les terroristes. Merci encore et félicitations pour cette thématique. Merci, M. Wilfried, pour votre prise de parole et espérant que les collègues ont pris des notes. Nous allons le PowerPoint de M. Nous avons reçu le PowerPoint de M. le collègue, madame. Donc, en attendant qu'il se connecte, nous prenons la parole à M. Boubakari pour sa question. Merci de m'avoir passé la parole. Je félicite tout d'abord tous les deux intervenants qui ont parlé de la gestion des crises. Je voulais tout d'abord dire aux gens que, étant au grand nord du Cameroun, j'ai vécu de bout en bout la crise, notamment celle liée à l'agression de Boko Haram. Et l'expérience que j'ai eue de cette crise-là fait en sorte que je viens à la question ou la préoccupation de celui qui venait d'intervenir par rapport à la gestion locale de la crise par les locaux. Je me suis rendu compte qu'à l'expérience, c'est que les autorités locales n'ont aucune politique de gestion des crises. Au contraire, eux, ils formulent juste
des doléances aux organismes internationaux, notamment OPAM, l'Union européenne, à presque tous les donateurs qui sont disponibles, de leur venir en aide pour gérer les questions, les crises sur place. Il n'y a aucune politique, notamment celle liée à mon pays, il n'y a aucune politique de gestion interne. Il est bien vrai que parfois le ministère de l'administration territoriale de mon pays fait des interventions sporadiques, mais ce sont des interventions qui viennent sous couvert, entre parenthèses, d'un don du chef de l'État, mais pas d'une politique de gestion proprement dite de crise. C'était une contribution que je voulais. Et je pense que si nous faisons un corollaire, presque tous les pays en crise, dans ce qui sont autour du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Nigeria, le Niger, ainsi de suite, ont pratiquement le même mode. C'est-à-dire qu'ils sollicitent les aides des autres au lieu d'avoir eux-mêmes leur politique propre à eux de la gestion des crises. C'était juste une proposition. Allô? Ok, merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Boukari, pour votre proposition. Alors, nous allons prier monsieur Moussa et monsieur Wilfried de bien garder leurs interventions. Nous allons passer d'abord la parole aux communicants qui sont prêts. Et après, il y a monsieur le techno Spark qui pourra aussi réagir tout à l'heure. Donc, monsieur Moussa, non, monsieur Dori et monsieur Ouattara, vous avez noté les questions de monsieur Moussa Diallo et de Wilfried. Vous allez répondre tout à l'heure. Nous allons revenir vers vous et vous avez aussi fait des commentaires sur le commentaire de monsieur, la contribution de monsieur Boubacari. Alors, nous passons la parole et en attendant, le professeur Nian n'est pas en ligne. Donc, nous continuons à le substituer. Nous passons la parole à monsieur, il a dit qu'il est prêt, Radi. Le collègue Radi Milaï, sa commission. Pour la filière riche, une meilleure alternative garantissant sécurité alimentaire à Madagascar. Vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. Aïe. Merci pour cette occasion de présenter le fruit de nos recherches qui s'intéresse sur la priorisation de la filière riz, une meilleure alternative garantissant la sécurité alimentaire à Madagascar. Concernant le contexte des problématiques du travail en Afrique comme à Madagascar, l'insécurité alimentaire est un fléau à l'origine de tous les problèmes, à Madagascar en particulier. En tant qu'aliment de base de la majorité de la population, le riz devrait être au cœur de toutes les discussions. Ainsi, la réalité dans ce pays révèle que l'insuffisance de la production rizicole est à la fois cause et conséquence de l'insécurité alimentaire et voire même l'ensemble des crises. L'objectif de ce travail est de développer un outil de recadrage de la politique de l'État afin d'améliorer ses performances dans la résolution des crises, surtout les crises alimentaires. Pour réaliser ce travail, donc, comme méthodologie, nous avons recouru à la documentation auprès des services et organisations concernant le sujet. Ainsi, de collecte des données via l'enquête auprès de 120 ménages éparpillés dans les 6 ex-provinces de Madagascar et les données recueillies ont été traitées et analysées par Word Excel et le logiciel SPSS. Comme résultat, nous avons eu la structure de la population malgache, donc, est dominée par des jeunes. Pour indicateur plus de 70% et majoritairement en chômage. Ensuite, la filière riz est très importante car comme aliment de base de 92% des malgaches et cela représente
70% de la production agricole totale du pays. Surtout, le riz ne concerne pas seulement l'alimentation, mais ça conserve une valeur symbolique très forte qui limite la portée des produits de substitution. En troisième lieu, la production rizicole à Madagascar est en situation de faiblesse en termes de quantité, car le taux de croissance annuel de la population est de 3%, alors que la croissance annuelle de la production rizicole donc, est de 1,5% seulement. Donc, cela explique que le rendement moyen reste inférieur à 3 tonnes à l'hectare. C'est pour cette raison que Madagascar importe chaque année au moins environ 5 à 10% de la consommation nationale. Donc, il est plus difficile d'essayer de maîtriser la pauvreté rurale. Ceci est donc aussi le cas de ce pays. Et cela est lié à la mauvaise performance de l'agriculture et il en résulte que les moins en moins de ressources sont orientées vers ce secteur. Le problème agricole crée un dilemme au niveau du choix de diverses décisions stratégiques prises par le décideur, comme la Banque mondiale a précisé depuis deux mois. Donc, le problème ici à Madagascar, c'est qu'il y a des faiblesses de part de la population agricole dans la production même de ce produit. Ainsi, la croissance démographique, ainsi la défaillance technique et organisationnelle, et surtout le manque de volonté et le problème de continuité de l'État dans cette filière. En perspective, nous avons appuyé sur les différents points comme amélioration des techniques culturelles, promotion de l'utilisation d'intrants agricoles, l'extension de la superficie cultivée, la vulgarisation de l'encadrement technique, la construction et réhabilitation d'infrastructures agricoles, ainsi la promotion du système de financement à la dimension du monde rural. En guise, Madagascar possède des avantages considérables pour l'avenir du développement de la riziculture, que ce soit en matière de la qualité du sol, que ce soit sur la variété de climat, même si dans ce pays, l'exploitation du riz rencontre toujours des problèmes depuis des décennies. Cette étude permet de définir les exigences à remplir pour permettre aux interventions publiques dans l'agriculture d'être efficaces, surtout dans la filière rizicole. La recherche et l'innovation doivent occuper une place centrale aussi. Pour résoudre les problèmes de l'insuffisance de produits rizicoles à Madagascar, donc, nous avons suggéré et de même recommandé la mise en place d'une politique agricole afin de faciliter les travaux des riziculteurs et de permettre à une augmentation de la production. Ainsi, la modernisation de l'agriculture en améliorant le système de production à travers la mise en place des divers systèmes. Donc, monsieur le modérateur, chers collègues participants à cette réunion, donc, voilà le fruit de notre recherche. Merci à l'équipe de l'organisation du colloque, à nos collègues co-auteurs ici à Madagascar, l'Université de Thomasina. Donc, c'est la fin de mon intervention. Merci. Merci, monsieur Manahadi Emi, pour votre communication et les efforts que vous avez fait pour être connecté et comment communiquer via aussi de connexion. Voilà, donc nous allons. Je parle du collègue Ayama, malgré que nous ayons déjà son PowerPoint.
Nous allons d'abord passer la parole aux deux communicants qui vont apporter des éléments de réponse aux questions de M. Moussa Diallo et M. Wilfried. Nous passons la parole à M. Doli. À M. Doli, pour faire des commentaires, des réponses à apporter aux préoccupations de M. Moussa Diallo. Est-ce que voilà, vous avez la parole? Oui, merci. Merci aux participants pour l'intérêt porté à ma communication. Je remercie particulièrement Dr Diallo. Bon, c'est pas trop, je pense que c'est celui qui m'a devancé dans la communication qui a un peu plus communiqué sur l'aide extérieure. Moi, je me suis plutôt pensé sur la crise alimentaire liée à la sécurité au PDI. Et seulement dans mon développement, effectivement, suivant les actions mises en place, j'ai évoqué la communauté internationale, mais aussi j'ai parlé des associations et d'ONG, et surtout de la CONATU qui est structurée jusqu'au niveau départemental pour la prise en charge des personnes déplacées internes. Mais je pense que l'apport est très pertinent. Sûrement, nous allons nous y pencher pour les futures communications, histoire de mettre en lumière sûrement la contribution locale. Et on espère que nos travaux sont suivis et cela sera aussi la base peut-être des politiques de mise en place, puisque l'objectif premier de la recherche est de contribuer à cela. Donc pour ça, je remercie. Monsieur Wilfried a parlé un peu de la contribution, surtout des sages. Je pense que c'est très bien noté. Merci pour l'intérêt qu'il accorde à nos deux pays. Surtout, j'ai l'impression qu'il suit de très près les actualités concernant ce que nous vivons, la crise sécuritaire avec tous ses corollaires. Je pense qu'il a exhorté à ce que nous rentrions en contact avec lui pour d'éventuelles collaborations sur des projets futurs, si je ne me trompe. Et merci pour l'ouverture. Merci également à monsieur Boubakari, qui effectivement un peu dépeint la situation des organisations, disons, oui, des autorités locales au niveau de la prise en charge suivant ces questions. Effectivement, il faut dire que c'est un peu la problématique au niveau des gestions de ce genre de situation dans nos pays. Tout dernièrement, on a eu à participer à un colloque international sur la situation de la mobilité et immobilité et organisé par l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et communications de l'Université Joseph Kizerbo, où le représentant du CONASUR, dont l'instance de gestion des crises au niveau national, a effectivement clairement indiqué qu'il a fallu cette situation pour qu'on active l'alerte au niveau des crises et des situations de ce genre. Au départ, c'était un comité, et maintenant, avec l'ampleur des différentes crises que le pays a eu à faire face, ils ont essayé de renommer la structure qui est devenue un conseil national. C'est ce qui a permis de démembrer cette structure jusqu'au niveau de concentré, à savoir le département. Donc, je pense que c'est des interpellations que nous faisons à travers ce genre d'activités scientifiques afin qu'on ait effectivement des structures crédibles, stables et en alerte afin de pouvoir effectivement prendre à bras le corps ces situations pareilles pour ne pas que ça s'envenime, parce que on a constaté avec les chiffres, surtout au niveau de Burkina Faso, qu'au départ, il n'y a pas eu cette promptitude au niveau de la réaction pour pouvoir canaliser, essayer de stopper à un temps soit peu et le plus rapidement possible la situation des personnes déplacées internes et surtout la crise humanitaire, d'où cette crise humanitaire aujourd'hui qui atteint un certain niveau, et les chiffres nous les démontrent, parce qu'à ce jour, nous avons 1 999 127 PDI au Burkina Faso. Vous voyez que c'est très énorme, pratiquement 2 millions.
Et pourtant, au départ, nous n'avions que quelques 500, près 1000, et voilà, nous sommes à des millions. Donc, je pense que je remercie tous ceux qui ont porté l'intérêt à la communication et qui ont fait des apports ça et là, et nous allons les intégrer pour des futurs travaux scientifiques. Je vous remercie. Merci, merci monsieur, de vos commentaires et de vos commentaires très détaillés. Nous allons passer la parole à monsieur Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Vous avez la parole pour répondre à la question de monsieur Wilfried. D'accord. Avant de répondre à la question de monsieur Wilfried, je voudrais intervenir par rapport au commentaire de Sagalo. Son commentaire est pertinent. Mais pourquoi j'ai choisi de travailler sur l'Union européenne? Il faut dire que d'abord, mon sujet de thèse porte sur la coopération entre l'UE et le Mali. Donc, je m'intéresse aux actions de l'Union européenne au Mali. Ensuite, comme l'a dit M. Boubacary, les pays mènent peu d'actions humanitaires en réalité. Et même s'il y en a, le plus souvent, c'est financé par les organisations extérieures. Il y a aussi des ONG nationales qui interviennent dans le cadre de l'aide humanitaire. Mais pour la plupart, ces ONG aussi ont pour bailleur de fonds des organisations internationales. Il y a quand même quelques personnes de bonne volonté, certains peut-être les opérateurs économiques ou bien certains leaders de la société civile, qui apportent souvent des aides humanitaires aux personnes. Et ça, ce n'est pas considérable. Ensuite, maintenant, pour répondre à la question de M. Hulfrit, qu'est-ce qu'on peut retenir en parlant de l'aide humanitaire de l'UE, lutte ou réalité? Alors, au Mali, chaque fois, l'Union européenne a un paramilieu par rapport à l'aide humanitaire. Et les actions humanitaires sont fortement médiatisées. Donc, on a l'impression que l'aide humanitaire de l'Union européenne permet vraiment la survie de toutes les personnes vulnérables, de toutes les personnes touchées par cette crise. Les gens ont cette impression. Pourtant, dans la réalité, l'aide humanitaire de l'UE n'est pas aussi considérable que ça. Ce n'est pas significatif, comme je l'ai montré dans ma présentation. Cette aide ne représente que 5% des besoins humanitaires du pays. Quand on prend le cas de 2022, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette expression. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre correctement aux questions. Merci, monsieur Ouattara, pour vos éléments de réponse et votre commentaire. Merci à ceux qui ont fait des commentaires avant vous, qui vous ont posé des questions. Alors, s'il n'y a pas d'option à ces réactions, nous allons passer la parole à monsieur Badin Ayama. Nous avons déjà son PowerPoint, il est en ligne. S'il n'est pas en ligne, nous passons la parole à Techno qui a levé la main depuis Techno Spark 5 Pro. Qui a baissé la main plus tard. Est-ce que Techno Spark 5 Pro peut prendre pour son intervention? Techno n'est pas prêt. Voilà. Quelqu'un dans le peux-tu apporter un commentaire aux différentes communications qui ont été. Y a-t-il un communicant de ce panel absent qui est là, Monsieur Dia, Madame Dia, Monsieur Aristide Gagafis, Monsieur Badan, quelqu'un est-il disponible?
Monsieur Boubacar avait la main levée aujourd'hui. Est-ce qu'il voulait ajouter une autre son commentaire? Non, je voulais ajouter, mais j'ai été. Vous pouvez dérouler votre bonne, monsieur Dolly. Nous écoutons. Ok, merci. Merci à monsieur Béni. Je pense que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, disons, pointue, parce que c'est comme vous le savez, nous sommes dans le domaine humanitaire, nous sommes dans le domaine social, il y a toujours des brebis galeuses. Que ce soit avec cette crise ou pas, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Dire que ça n'existe pas, ce serait vraiment dit des contre-vérités, parce que à tout moment on en fait face. Il y a eu entre-temps dans des boutiques on a trouvé des vivres qui étaient marqués, qui étaient cachetés par des insignes d'une organisation où certains représentants au niveau local ont essayé de revendre avec ces boutiques là pour qu'ils puissent encore revendre moins et plus cher aux populations. Donc c'est pour dire que c'est effectivement un problème auquel il faut faire face, un problème auquel il faut réfléchir. Mais je pense que actuellement, surtout au Burkina Faso, l'allure que les politiques publiques ont pris, ça fait que c'est un peu difficile actuellement de parler de détournement. Bon, comme vous le savez bien, souvent aussi ça dépend de la vertu de ceux qui sont en haut. Actuellement, il y a un bel exemple qui est donné par les autorités. Donc, ça fait qu'il y a un bon acheminement, on peut dire plus ou moins, parce que quoi qu'on dise, si les vivres arrivent et que c'est préparé, il faut distribuer la nourriture, il y a toujours des états d'âme, il y a toujours des préférences. Il va toujours avoir quelque part. Mais actuellement, nous sentons une dynamique de bon acheminement de ces vivres-là. Moi qui vous parle actuellement, je suis... au nord du pays, précisément à Ouaïgua. Je sais que vous en avez entendu parler ces derniers temps avec le drame de Karma juste à quelques kilomètres. Et ici, pratiquement chaque deux jours, il y a un ravitaillement vers les zones les plus reculées. On sent effectivement une certaine régularité de transport de ces vivres-là pour les zones reculées. Donc, bon, actuellement, quand même, il y a un peu du sérieux et on espère, on pense que la bonne foi va dominer sur les autres aspects afin que ces aides alimentaires là atteignent vraiment les cibles. Maintenant, est-ce que ça impacte les relations entre ceux qui aident et ceux qui reçoivent? Je ne saurais trop répondre à la question, tant plus que mes investigations ne sont pas pensées à ce niveau, mais c'est sûr et certain que si les informations remonte au donateur, ça peut apporter un coup effectivement à l'aide alimentaire. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, c'est ce que je voulais apporter. Merci. Merci, monsieur Dolly, merci, collègue, pour votre réponse. Monsieur Paul, est-il satisfait? Monsieur Ouattara, nous vous écoutons. Monsieur le modérateur, pour apporter quelques éléments de réponse à la question de monsieur Paul. Par rapport au détournement de l'aide par les ONG. Donc, je ne parlerai pas de détournement, mais il y a partie de cette aide qui sert à financer les ONG qui interviennent dans le domaine de l'aide humanitaire. Et si l'on croit même aux chiffres donnés par le ministre malien de l'action humanitaire, c'est énorme. Lui, il parle de 80% des montants alloués pour l'aide humanitaire qui servent à financer l'intervention dans le domaine. Donc pour le détournement, je n'en ai pas le prix. Il peut y en avoir, mais je n'en ai pas le prix. Alors, il faut aussi retenir que les ONG, la plupart des ONG qui interviennent dans le cadre de l'Union européenne sont des ONG. Il y a peu d'ONG locales. Souvent, coopère avec les ONG locales, mais c'est rare. Toujours, ce sont des ONG européennes qui interviennent. L'aide est financée par l'Union européenne et
qui sont des ONG européennes qui sont choisies par l'Union européenne pour intervenir sur le terrain afin de pouvoir continuer l'aide. Alors, vous avez terminé, M. Ouattara? Oui. Vous avez achevé votre propos? Alors, nous passons la parole à votre intervention. Nous passons la parole à M. Badin Ayama, qui s'est signalé dans le chat, être prêt. Est-ce que M. Badin est prêt? Oui, monsieur, je suis prêt. Nous allons partager votre communication. Alors, vous avez la parole pour 10 minutes. Oui, grandement merci pour ce partage. Ça me facilite véritablement la communication. Le titre de la communication est « Servir le capital ou se servir du capital, la prise en otage des démarches entrepreneuriales par une fausse logique de développement ». Oui, merci. Il faudrait déjà préciser au niveau de la justification du thème que c'est suite à un séminaire entre des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. L'un des leurs communicateurs de son entreprise affirma « Les initiatives sont très louables, mais nous sommes tenus par les règles du marché international. » Ces propos mettent en lumière un marché qui est au service de ceux qui l'ont construit, aussi bien au niveau juridique, charte du commerce, OMC, politique, économique, avec les institutions de Bretton Woods et autres. Au niveau de la méthodologie et des résultats, il faudrait préciser que la méthodologie, elle est théorique. Nous avons utilisé les tests de René Dumont, de Jean-Marc Hélard, de Charles-Romain Bellé, de Jacques Chatuet, nous ont permis de mieux comprendre cette réalité du marché et cette question de concurrence. Elle met donc au service le capital et non le social, c'est-à-dire cette notion de développement. De l'ouvrage représente. Le titre est « L'Afrique étranglée ». Au niveau de la méthode et des résultats, oui, au niveau de la méthode et les résultats, une écriture synthétique du travail nous a permis d'arriver à plusieurs résultats. Celui d'une aliénation de l'homme par les intérêts individuels et égoïstes. Le capital est posé en sacré. Le développement est défini sous un seul substrat quantitatif, accumulation des richesses matérielles de luxe. Il est posé en modèle et imposé mondialisation, à savoir ouverture des frontières. L'État se transforme en marché. La nature, c'est-à-dire le sol et le sous-sol en pourvoyeur de richesses. Les hommes en instruments animés. La technique en ennemi de la nature. L'on assiste à une universalisation du modèle néolibéral du développement. Et nous avons donc une conséquence qui est très rapide, conséquence d'un modèle de développement matérialiste et à outrance. La mondialisation à outrance priorise l'accaparement des richesses au détriment de la justice sociale. Conséquence logique, le leitmotiv se résume en la quête des marchés à tout prix et à tous les prix. Conséquence humaine, thank you.